Paraîtra court de munitions. Où elle est passée, cette pétasse? On pensait... Te voilà, sale petite pute.
mieux fait de filer. Ouais. Ça n'a pas l'air de se crocheter.
crois pouvoir planquer... Ah, joli.
fait chaud. Ça y est. Ouais. J'ai tout mon temps, moi. Hey, comment ça va, mon vieux ? Thank you.
Génial. C'est bon. Couvrez-moi.
joli. Activation. Protecteur mort à bord. Première erreur. Attendez là. J'ai dû prendre un mauvais coup. Je crois qu'il y a du chien. Excellent.
connasse. On avance. Go, go, go.
viens. Je m'amusais bien, moi. On peut s'amuser avec moi, hein. Fini pour toi, connasse. Fini de jouer. Thank you.
Je savais que vous nous aideriez. Hé hey. Vous avez trouvé les pillards ? Ouais, je leur ai flanqué une bonne dérouillée de votre part. Sans rire. Eh ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi bonne nouvelle. On a discuté entre nous, et on a décidé que si vous étiez capable de nous aider, on se rallierait de nouveau aux miliciens. Si on veut que les choses s'arrangent, il faut qu'on commence par s'entraider. Tout ça pour dire qu'on est d'accord. Comptez sur nous si vous avez besoin d'aide, et encore merci. J'ai mal au dos, et j'ai mal aux pieds. En fait, j'ai mal partout. La route est vraiment trop longue. Tout ça pour des cacahuètes.
le Commonwealth. Les miliciens auraient bien besoin de quelqu'un comme vous. Bonne nouvelle. La colonie que je viens d'aider a décidé de se rallier aux miliciens. Alors ça, ça fait plaisir. Je savais que j'avais bien fait de vous confier cette mission. Au fait, vous devriez prendre un de ces pistolets lance-fusées. Il vous permettra de demander un coup de main aux miliciens à proximité. Plus on ralliera de colonies à notre cause, plus il sera utile. Vous pourrez bientôt obtenir de l'aide partout où vous en aurez besoin. Je ne crois pas vous avoir raconté ce qui est arrivé aux miliciens. Moi, j'en suis devenu le dernier. Je vous écoute. Vous avez entendu parler du massacre de Quincy ? Qu'est-ce que c'était ? Je croyais que tout le monde dans le Commonwealth connaissait cette histoire. C'est là que les miliciens se sont trahis. Et ont trahi ceux qu'ils étaient censés protéger. J'étais dans le groupe du colonel Hollis. Une bande de mercenaires, les artilleurs, avaient attaqué Quincy. Les habitants avaient appelé les miliciens à la rescousse. On a été les seuls à venir. Les autres groupes, ils ont tourné le dos à leurs compagnons et aux gens de Quincy. On n'a pas été nombreux à s'en sortir. Le colonel Hollis y est resté. Alors j'ai dû prendre les survivants en charge. On n'a jamais trouvé d'endroit sûr où s'établir. On a enchaîné les désastres. Vous avez bien vu comment ça a fini à Concorde. Je sais ce que ça fait d'être l'unique à survivre. Oui, j'imagine. C'est pour ça que je m'adresse à vous. Je ne peux pas rebâtir les miliciens. Mais vous le pouvez peut-être. Venant de vous, ça me touche beaucoup, Garvey. Merci. Ça veut dire que vous acceptez ? D'accord. J'accepte. Parfait. Bienvenue parmi nous. Je sens que c'est un nouveau départ pour les miliciens et pour le Commonwealth. Ne vous en faites pas. Je serai là pour vous appuyer, général. Pourquoi est-ce que vous m'appelez général ? Le leader des miliciens a toujours porté le grade de général. Notre dernier chef était le général Baker. À sa mort, en 82, tout le monde s'est disputé pour choisir son successeur. L'avantage d'être le dernier milicien, c'est qu'il n'y a plus personne pour m'empêcher de vous nommer général. À vous de faire de ce mot bien plus qu'un simple titre. Il paraît que les gens de la ferme des Finch ont besoin d'aide. C'est le genre de truc dont les miliciens devraient s'occuper. Autre chose ? Non, rien. Pas de soucis.